Allez, Dominique, c'est génial. On continue comme ça. Il faut une deuxième victoire. Et hein. Oui, on va essayer. Ah oui, mais il faut les battre, les trois de ce soir. Sandia, oui. Spécialité laquelle? Les séries télévisées, en particulier les séries américaines. Michel? Le cinéma et notamment les westerns. Bien joué. Sandrine? L'histoire de France, notamment la Révolution française. Et ben voilà, quatre candidats prêts pour le jeu. Bonsoir à tous, les champions sont au rendez-vous. Alors, retrouvons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir. Mes amis, bonsoir. Nous sommes le jeudi 22 janvier. 22 janvier. Et on a un match de toute beauté qu'on va vous offrir ce soir. Et on est heureux de vous présenter tous ces candidats qui sont là. C'est parti, William. Oui, Julien, après les coulisses, le plateau. Nous avons donc le plaisir de jouer avec Sandrine, Michel, Sandia. Et celui de retrouver Dominique, notre champion brillant vainqueur hier soir, en route pour une première victoire. Et la cagnotte, me direz-vous? Eh bien, elle est toujours aussi impressionnante. 48 800 euros. Oh, le match hier soir, dites donc, très beau match, hein, face à un très grand candidat, Jean-Claude. Oui. Franchement, là, je ne sais pas comment vous vous en êtes sorti. Comment avez-vous vécu ce match? Ça a été un peu dur, j'ai été un peu perturbé, un peu ému et vraiment... On est passé par toutes les émotions. Exactement, oui. Et vous avez battu... quand même été aidé par Jean-Claude. Oui, oui, indirectement, oui. C'est vrai, souvent, il vous a mis sur la voie. Oui. Donc vous l'avez battu, ce Jean-Claude qui tentait le pauvre une quatrième victoire et voulait se rapprocher de la cagnotte, évidemment. Donc très beau match, Dominique. Vous m'avez dit à la fin, je continue, je reviens, je remets mon titre en jeu. Donc peut-être une deuxième victoire. Dominique est bibliothécaire. À laquelle... la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Où donc, ça? Au Palais de Chaillot, à Troncadéro. Bien sûr, Troncadéro. Sandia, bonsoir. Bonsoir. Allez, Sandia, on se présente. Elle a quoi? Elle doit avoir 25, une trentaine, une quarantaine d'années. Juriste. Juriste. J'ai 28 ans. Juriste dans les marchés publics. Tout à fait. C'est-à-dire que j'imagine que vous occupez des offres, des appels d'offres. C'est ça. Je publie les appels d'offres et mets en concurrence les entreprises pour répondre à nos besoins en voilà. termes de travaux, fournitures et services. Voilà. Sandia, originaire de Mayotte, oui. Habitant la belle ville de Toulouse. Toulouse. Et on saturera la petite Inaya. On la saluera. Inaya, Inaya qui a quel âge? Eh non. Un an, Inaya. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Julien. Allez, Michel, un ancien foreur pétrolier qui détient... Alors là, vous nous raconterez ça. Oui. Il détient le record du monde de forage pétrolier. À combien? 11 184 mètres. Waouh. Régus... Mais qui a été battu depuis. Hein. Oui, mais quand même, vous ouais, l'avez vu, même. Ce record du monde, à un moment. Ouais. Régus, où est-ce que c'est Régus? Régus, c'est dans le Var, dans le Haut-Var, près des gorges du Verdon. Et Moustier. Et près de Moustier. Moustier, Sainte-Marie, oui. Une merveille, Moustier. Voilà. La lavande, là-bas. Hein. Parfait, oui. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir, Julien. Allez, Sandrine, correctrice de manuscrits. Tout à fait. C'est intéressant ce que vous faites. Vous corrigez les manuscrits, disons, de manuscrits de toutes sortes. Oui. Où habitez-vous, Sandrine? J'habite à Arnage, près du Mans. Le Mans, la Sarthe. Voilà, Sandrine, Michel, Sandia, Dominique. Alors, cagnotte. Cagnotte, un petit coup d'œil. 48 800 euros. Très grosse cagnotte. C'est le record de la plus grosse cagnotte en 26 ans de jeu. 48 800 euros et 5 victoires d'affilée pour la décrocher, bien sûr. Première manche, le 9 points. Gagnant. Candidat au départ. 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés. Ils ont le droit d'aller plus loin. Quelle contracture douloureuse des muscles du cou. Le cou, là, là, Sandrine. Une torticolis. Voilà, torticolis, d'accord. Ça, c'est bon. C'est bon, son nom à l'italien signifiant cou tordu, qui limite les mouvements de la tête. Ça fait très mal. Torticolis, d'accord. Dans quelle série télé? Une caméra placée dans un distributeur automatique de boissons. Sandra. Caméra café. Bien joué. Caméra café, c'est bon. Qui permet de voir défiler les employés de la société. Je gêne. Caméra café, c'est bon. Une coupe glacée. Donnez-moi cette coupe glacée. Quelle est cette coupe glacée, Sandrine? La Dame Blanche? Non, non, non. Association... Sandia? Pêche Melba. Bien joué. Oh, bravo. Pêche Melba, elle. Associant traditionnellement des boules de vanille, et des demi-pêches, créées à la fin du 19e en hommage à la cantatrice australienne dont elle porte le nom. Melba, Pêche Melba. Un arbre, vous l'avez cet arbre. Quel est cet arbre comporte? Il comporte une espèce dite d'Inde, dont les spécimens, Michel. L'œillet. Sont souvent plantés, Dominique. Le palmier? Non, plantés sur les voies publiques. Voies publiques, Sandrine. Le marronnier? Marronnier, oui. Voilà, d'accord. Ah, qui peuvent atteindre 30 mètres de haut, le marronnier, d'accord. Un mot allemand. L'Allemagne, l'allemand, un mot allemand qui désigne le petit rongeur d'Europe et d'Asie mineure, au pelage jaune-ocre, qui transporte sa nourriture dans ses abajoues. Oui. Le hamster. Hamster, d'accord, ça c'est bon, hamster. Et maintenant, observez ceci. Au XVIIe siècle, quel écrivain publie des histoires? Michel. Perrault. Perrault, Charles Perrault, d'accord.
publie des histoires, des contes comme Le Petit Chaperon Rouge, dont vous pouvez voir une illustration d'Antoine Doré. Alors, venez redécouvrir l'univers des contes dans l'exposition Les Contes de Fées, de la tradition à la modernité, jusqu'au 6 avril, au Palais Lumière à Évian. Évian, vous le saviez, Évian, le bord du lac Léman. Évian, belle ville d'Évian. Charles Perrault, bonne réponse. Quelle est la longueur? Alors là, accrochez-vous. La longueur d'un côté d'un triangle équilatéral dont le périmètre est de 45 cm. Michel. 15. Bien joué. Oui. 15 cm, d'accord. Très bien. Périmètre divisé par 3, 15 cm, d'accord. Direction l'Italie tout de suite, tout le monde. En Italie, quelle ville de Lombardie donne son nom? Oui. Gênes. Au lac. Le lac, parfois appelé Lario. Le lac, oui, Dominique. Côme. Côme, d'accord, lac de Côme. En art, quel mot tiré du latin vermiculus désigne de l'argent? Oui, oui. Verniculaire, non? Non, 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 de l'argent massif. Michel. Vermeil. Oui, vermeil, vermeil, d'accord. Qu'est-ce que c'est le vermeil? Argent massif recouvert d'une couche d'or. Vermeil, d'accord. Le ski. Ski 1964. Ski alpin, oui. Jean-Claude Killy. C'est bon. En ski alpin, quelle sœur française? Sœur Guachel. Guachel, d'accord. Les sœurs Guachel, bien joué. Sœurs françaises qui réussissent dans les slaloms olympiques d'Innsbruck. Deux doublés retentissants. Les sœurs Guachel. Marielle Guachel, qu'on salue. Christine Guachel. Dans un procès, mesdames et messieurs, un procès. Comment appelle-t-on l'exposé de l'avocat en faveur de son client? Sandia. Ah, là, elle l'a pas. Elle l'a pas, là-bas. Un plaidoyer. C'est oui, plaidoirie, d'accord. 16e siècle, quel grand prince de Russie, premier à avoir pris le titre de tsar, devait, Dominique? Yvan Ier. C'est non. Il devait, là, allons-y. Shell. Yvan le Terrible. Oui, d'accord, Yvan le Terrible. Il devait son surnom au régime de terreur qui faisait subir à tout son pays. Yvan le Terrible. Quelle ville d'Iran? Ville d'Iran ayant été surnommée là-bas. Oui, 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 Michel. Téhéran. Non, la moitié du monde. La moitié du monde, Dominique. Isparan. Isparan, d'accord, ça c'est bon. Elle est magnifique, cette ville d'Iran. Une ville qui s'appelle Isparan. Elle abrite la mosquée de l'imam et à la coupole recouverte de faïence bleue et or, surnommée la moitié du monde, Isparan, Iran, d'accord. Dans quel récipient creux et large, me dit d'un couvercle, sert-on de potage? Le potage, Michel? Soupière. Soupière, voilà, d'accord. Groupe de rock. Groupe de rock. Célèbre groupe de rock britannique, associé au tube Wonderwall. Wonderwall, là, là. Oasis. Oasis, d'accord. Quel célèbre groupe. Le musicien Noël Gallagher a-t-il formé avec son frère Liam, Liam Gallagher, Oasis, d'accord. À quel auteur dramatique français disparu en 87 doit-on Antigone? Antigone, Antigone, Giraudoux. Michel. Voilà. Giraudoux. Pardon? Giraudoux. Antigone, Giraudoux. Oui. Non. Non. Oui, Dominique. Jean Anouilh. Jean Anouilh, voilà. Jean Anouilh, Antigone. Et le voyage sans bagage, bien joué. En génie génétique, par quel sigle de trois lettres? Et donnez-moi ces trois lettres. Génie, oui, Dominique. ADN. Non. En génie génétique, oui, oui. ARN. Non. Par quel sigle de trois lettres désigne-t-on les organismes vivants génétiquement modifiés par l'homme? Là-bas. OGM. OGM, d'accord, ça c'est bon. Tennis. Sacré joueur, hein. Joueur de tennis, donnez-moi son nom. Quel joueur, ayant atteint le stade des demi-finales à Roland-Garros 2008? Roland-Garros, Fédérard, oui. Fédérard, non. Surnomme-t-on la Monf? Monf, la Monf, la Monf. Dominique. Gaël Monfils. Gaël Monfils, d'accord, ça c'est bon. Dans le film, je vous trouve très beau, 2006. Quel acteur incarne un agriculteur? Sandrine. Michel Blanc. Michel Blanc, d'accord, qui va chercher une femme en Roumanie. Michel Blanc. Un oiseau, alors là, celle-là, un oiseau. Quel oiseau? Pouvant être noir, bleu ou charbonnière? Visite. Ah oui, Sandrine. La mésange. Mésange, oui, d'accord, ah oui. Alors elle, vous savez ce qu'elle fait, la mésange? Elle visite tous les nichoirs pour se nourrir de graines ou de miettes de pain. Incroyable. Voleuse, cette mésange. Et elle mange les... Elle mange, oui. Chenilles processionnaires. Exactement. Donc c'est pas mal, c'est utile aussi. Hein. La mésange. Un peintre italien, quel peintre italien de l'école de Paris, né en 1884, réalise de nombreux portraits, Dominique.
Modigliani. Exact. Amedeo Modigliani. De nombreux portraits de femmes au cou démesurément allongé, dont plusieurs de sa compagne, d'ailleurs, sa compagne est Buterne, Jeanne et Buterne, Modigliani. Quel nom désignant l'enfant Jésus en espagnol ? Donne-toi un courant océanique, Sandrine ? El Niño. El Niño, d'accord. Perturbant le système météorologique tous les 5 à 7 ans, El Niño. Chez l'homme, chez l'être humain, quel ligament pouvant être qualifié d'antérieur ou de postérieur forme le pivot central de l'articulation du genou ? Oui. La rotule, non ? Non, rotule, non. Oui, Michel ? Les croisés. Quoi, les croisés ? Les tendons croisés. Les tendons croisés. Vous m'avez dit les croisés. Les croisés, c'est bon. Bonne réponse de Michel. Les croisés. Les ligaments croisés. Dans un quatuor à cordes. Quel instrument de musique à quatre cordes, Michel ? Le violoncelle. D'accord. Oui. Instrument de musique à quatre cordes. Accordé en quinte. Qui est maintenu entre les genoux du musicien qui joue assis, violoncelle, c'est bon. Michel, en tête de course. 8 points. Dans le domaine religieux, à quelle notion, dont le nom est issu du latin signifiant « hors du temple », le sacré s'oppose-t-il ? Le sacré, oui. Le païen. Non. Le sacré s'oppose... Michel ? Profane. C'est oui, profane, voilà, terminé. Un prince. Pour 2 points, nous sommes en 99. Quel prince ? Donnez-moi ce prince qui devient roi du Maroc en succédant son père Hassan II. Oui. Ah si, roi du Maroc, allons-y. Non, c'est non. Alors, c'est non. Sandrine ? Hassan III ? Non, pas du tout. Le roi du Maroc actuel, Sandia ? Mohamed VI. Mohamed VI, voilà. C'est Mohamed VI, le roi actuel du Maroc, qu'on appelle affectueusement, chez nous ici en France aussi, un petit peu au Maroc, M6. C'est Mohamed VI, très bonne réponse. 7, 6, 5, dans le Nord-Pas-de-Calais. Par quel terme picard a-t-on désigné les groupes de maisons dans lesquelles étaient logés les mineurs ? Oui, oui. Coron. Coron, voilà, terminé. Dominique Sandia, 6, 5. Attention, Sandia est un petit peu en retard, il faut jouer tout de suite. Nous sommes en 1868. Dans quel roman Dostoïevski ? Dresse-t-il le portrait du prince Mishkin, un homme qui, du fait de sa candeur, passe pour un être irréfléchi. Dostoïevski, attention Dominique. L'idiot. Que dit Sandia ? Rien. Elle a bien joué Sandia quand même, mais Dominique me dit l'idiot, Dostoïevski, c'est le roman L'idiot exactement. Bonne réponse Dominique. Sandia s'arrête là, merci beaucoup Sandia. Voilà Sandia. Cette question. Il y a un week-end à la montagne d'une valeur de 2000 euros à gagner. Mais c'est maintenant qu'il faut jouer. Dans quel récipient creux et large, muni d'un couvercle, sert-on le potage ? Une crêpière, réponse 1. Soupière, réponse 2. 3243, réponse par téléphone. SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Sandrine, Michel, Dominique, le jeu !